passe joyeusement en klaxonnant. Appelons les plus forts. Machine. Des machines, des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Devant le garage des véhicules d'assistance, il y a une grue qui travaille. Elle est en train de creuser d'énormes baignoires. Je me demande bien pourquoi. Oh ! Les baignoires se remplissent de peinture. Et voici un petit cheval. Est-ce qu'il attend un bus ? Les baignoires sont remplies de peinture. Quelle belle couleur ! Un bus gris sort du garage. Maintenant, on va te peindre. Le bus s'enfonce dans la peinture. Oh, on ne voit même plus son toit. De quelle couleur est le bus ? Rouge. C'est bien ça. Le cheval va monter dans le bus rouge. Mais le chiot est arrivé trop tard. Ne t'inquiète pas, petit chiot. Il y a un autre bus qui sort du garage pour toi. Peignons-le en vert. Comme c'est beau! Le chiot monte dans le bus vert. Une maman chat et ses chatons se dirigent vers l'arrêt de bus. On dirait qu'il manque un chaton. Sa maman l'appelle. Oh là là, le petit coquin joue avec la peinture. Petit chaton, tu as une patte violette. On va la laver. Maintenant, tu peux aller à l'arrêt de bus. Les chatons vont prendre le bus violet. Est-ce que tu aimes cette couleur? Allez-y, les chatons. 1, 2, 3, 4. Bon voyage, les chatons! Qu'en penses-tu? Où sont passés tous les bus multicolores? Ils sont là! Ils attendent au feu rouge. Rouge, orange, vert. Et les bus repartent. Tous les passagers sont heureux car les bus les emmènent à l'aire de jeu. Le cheval joue dans la piscine à balles rouges. Le chiot veut faire un tour de toboggan. Tu es très courageux. Les chatons sortent du bus violet et courent jouer dans la piscine à balles violette. À l'arrêt de bus, le bus orange avec une bande jaune est arrivé. Ce bus va ramener tout le monde à la maison. Viens, chaton, le bus t'attend. Merci pour votre excellent travail, les bus.
doucement, en klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant, pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Oh mon Dieu, il y a une tempête et un vent très fort. Le pauvre transporteur de voiture va avoir du mal à conduire par ce temps. Ah, une tornade! Accrochez-vous bien, petite voiture. Oh non! La tempête est passée. Mais toutes les voitures sont cassées. L'une a perdu une roue, une autre a perdu son numéro. Et la voiture bleue a une rayure. La voiture rouge est cassée en deux. Et le transporteur de voiture s'est renversé. Nous allons avoir besoin de beaucoup de véhicules d'assistance. Demandons à des camions de dépannage de différentes couleurs de nous aider. Une couleur pour chaque véhicule. Un camion de dépannage rouge. Un camion de dépannage vert. De quelle couleur seront ces véhicules? Bleu, orange et violet. Les 5 camions de dépannage sont prêts à partir à l'aide. Ils vont emmener les voitures cassées à l'atelier de réparation. Les camions de dépannage sont sur le lieu de l'accident. Regarde, le camion grue est déjà là. Il est en train de soulever le transporteur de voitures. Maintenant, mettons chaque voiture sur le camion de dépannage de la même couleur. La voiture verte va sur le camion de dépannage vert. La voiture rouge va sur le camion rouge. La voiture bleue va sur le camion bleu. La voiture violette va sur le camion violet. La voiture orange peut se rendre à l'atelier de réparation avec le camion de dépannage jaune et orange. Ils sont presque arrivés. C'est parti! Commençons les réparations. De quoi avons-nous besoin? Un nouveau pneu. En voilà un. Le numéro de la voiture verte s'est détaché. Où est-il? Le voilà. Il manque une roue à la voiture orange. Mais de laquelle avons-nous besoin? Voici la bonne. Les 3 voitures sont maintenant réparées. Le transporteur de voitures a descendu sa plateforme. Grimpez à bord! C'est la cabine de la voiture rouge. Nous devons la mettre sur un châssis. Tout est prêt. Comme neuf. La voiture bleue a une rayure. Peignons par-dessus. Nous aurons besoin de peinture bleue et d'un pinceau. Wouch, wouch, wouch. La rayure a disparu. Les voitures quittent l'atelier de réparation et remontent sur le transporteur de voitures. Il les emmène à l'exposition de voitures. Et les véhicules d'assistance retournent dans leur garage. Une nouvelle tâche les attendra probablement demain. Alors, il faut les laisser se reposer.
des véhicules d'assistance. C'est la ferme où vivent les vaches. Chaque jour, elles nous donnent du lait frais. Le camion est venu chercher le lait. Le couvercle a été ouvert et le lait est transvasé dans la grande citerne. Il est temps pour lui de partir. Le camion à lait respecte le code de la route. Il s'arrête au feu rouge et repart quand les feux passent au vert. Mais le camion jaune essaie continuellement de le doubler. Il est très imprudent et il est pressé d'arriver. Ah ! Le camion est sorti de la route et a endommagé la citerne. Le lait se déverse sur la route. Cela fait une flaque. Le camion à lait doit se rendre tout de suite à l'atelier de réparation. Vas-y, camion à lait. Regarde, le cabriolet a déjà été réparé. Oh, il dérape sur la route sale. La voiture a glissé et est sortie de la route. Le chaton a même senti le lait. Il lèche le lait sur la roue. Et il boit le lait directement sur la route. Ce n'est pas normal. Nous avons besoin d'aide. La dépanneuse, la balayeuse et la voiture de police sortent du garage des véhicules d'assistance. Elles se rendent à l'endroit où l'accident a eu lieu. La voiture de police pose des cônes de signalisation devant le tronçon de route dangereux. La balayeuse commence à nettoyer la route. Dans l'atelier de réparation, une plaque métallique a été posée sur la citerne du camion à lait. Il n'y aura plus de fuite de lait. La pelleteuse prend un pinceau. Elle le trempe dans de la peinture blanche. Le camion à lait est comme neuf maintenant. Personne ne pourrait deviner que l'autre camion l'avait abîmé. Et voilà le camion. Il a conduit si imprudemment qu'il a fini par avoir un accident. Et maintenant, la dépanneuse l'emmène à l'atelier de réparation. Sais-tu où est passé le camion à lait? Bien sûr! Il est reparti chercher du lait à la ferme. Le lait est en train d'être transvasé dans la citerne. Et on ferme le couvercle. Il n'y a plus de fuite maintenant. Bravo les véhicules d'assistance. Vous pouvez vous reposer maintenant. En klaxonnant, appelons les plus forts. Machine. Des
les véhicules d'assistance. Un transporteur de voitures s'est rendu au garage. Je me demande ce qu'il va faire. Ce sont des voitures de course colorées. Chacune d'entre elles a son propre numéro. 1, 2, 3, 4, 5. Les voitures montent sur le transporteur une par une. La plateforme se lève. Maintenant, elles peuvent partir. Le transporteur chargé des voitures est en train de rouler sur la route. Regarde, un camion de pompiers roule très vite. Il y a un feu quelque part. Attention! Oh non! Les voitures sont tombées. Qui va les aider? Un véhicule sort du grand garage. C'est un camion grue. Il a un aimant sur le bras. Avec cet aimant, il peut ramasser les voitures et les remettre sur le transporteur. Le camion grue est arrivé pour aider les voitures. L'aimant descend et remonte. La voiture jaune est à sa place. Le camion grue a remis la voiture violette à sa place, puis la voiture bleue. Tout est prêt. Ils peuvent reprendre la route. Merci, camion grue. Un circuit de course. C'est là que va le transporteur de voitures. Maintenant, les petites voitures vont faire la course. La plateforme s'abaisse. Les voitures, c'est parti! À vos marques, prêts, partez! Les voitures tournent dans le virage, montent sur la rampe jaune. Elles sautent. Encore des obstacles. Une autre rampe. Oh, la voiture rouge a perdu une roue. Les véhicules d'assistance sortent du garage. Une pelleteuse avec une pince et une dépanneuse. La dépanneuse baisse son crochet. Elle accroche la voiture avec précaution. La pelleteuse ramasse la roue. Elle la répare. Et voilà, tu peux reprendre la route maintenant. Merci. La voiture rouge se dépêche d'atteindre la ligne d'arrivée. Oui, la petite voiture a elle aussi terminé la course. Tout le monde est très content pour la petite voiture. Il est maintenant temps pour les voitures de remonter sur le transporteur et de retourner au garage. Au revoir. À bientôt les véhicules d'assistance.
doucement, en klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant, pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Le chiot joue avec un os en caoutchouc devant sa niche. Que veut-il en faire ? Il veut probablement le cacher dans un trou. Le chiot est en train d'enterrer son trésor. Oh ! C'est quoi ce truc jaune dans le sol ? Essayons de le déterrer. Une roue et un pare-choc. Ce sont des pièces de voiture. Si une voiture entière est enterrée sous le sol, alors le chiot ne peut pas la sortir tout seul. Les véhicules d'assistance quittent leur garage. La pelleteuse, le camion rue et la dépanneuse. Véhicule d'assistance, votre mission aujourd'hui est d'aider le chiot à déterrer une voiture. Les voitures suivent le chiot. Vous devez creuser ici. La pelleteuse a fait le travail rapidement. Elle a déterré la voiture. C'est maintenant au tour du camion rouge. Il déploie son bras et abaisse son crochet pour sortir la voiture du sol. Ah ! Quelle belle voiture ancienne ! Réparons-la ! La dépanneuse conduit la voiture à l'atelier de réparation. Qu'il y a là, petit chien ? Un volant ! La voiture ne fonctionnera pas sans son volant. Le chiot se rend lui aussi à l'atelier de réparation. La dépanneuse est déjà à l'atelier de réparation. Dépêche-toi, petit chien ! Pour réparer la voiture, il la soulève sur une grande plateforme. C'est très intéressant à regarder. Une brosse spéciale pour nettoyer la roue. Il nous faut de la peinture. Laquelle choisir ? La violette. Peignons la voiture et elle sera comme neuve. Magnifique! Mais il manque toujours les roues avant de la voiture. Celle-ci est trop grande. Celle-là aussi. Mais la troisième convient. Fixons le pare-brise et le volant que le chiot a trouvé. Et voilà ! Petit chien, tu veux faire un tour ? C'est parti ! La voiture ancienne roule rapidement sur la route. Le chiot aime faire des tours de voiture. La pelleteuse a déjà rempli le trou d'où le camion rue a sorti la voiture. Le chiot peut à nouveau jouer devant sa niche et cacher son os. Merci les véhicules d'assistance. Nous aurons certainement un autre travail à vous confier bientôt.
en klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant, pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Les véhicules de construction réparent la route. Le camion benne transporte un tas d'asphalte. Il le déverse sur le sol. Le rouleau compresseur doit niveler et aplatir l'asphalte. Mais il y a une pierre coincée entre sa carrosserie et le cylindre. Il ne va pas y arriver. Quelqu'un devrait l'emmener pour le faire réparer. Le camion Ben n'est pas du tout fait pour ça. Il retourne au garage. Qui pourrait aider le rouleau compresseur? Le sais-tu? Le camion grue et la dépanneuse sortent du garage. Le camion grue étend son bras. Tiens bon, rouleau compresseur. On va te faire monter sur la plateforme. C'est parti. Voici l'atelier de réparation. Ils vont retirer la pierre dessous le châssis du rouleau compresseur. Il pourra alors se remettre au travail. C'est un terrain de basket. Les petites voitures jouent avec un ballon. Elles doivent lancer le ballon à travers l'anneau. Manqué! À toi de jouer, voiture bleue! Oh, waouh! Beau tir! La voiture jaune a lancé le ballon très loin. Ah! Il a atterri en plein dans l'asphalte chaud. Non, vous ne pouvez pas sauter là-dedans. Les voitures sont coincées dans l'asphalte collant. Pouvez-vous les aider? Elles ne peuvent pas sortir toutes seules. Tirez plus fort. Même ça, ça ne marche pas. Camion grue, peux-tu donner un coup de main, s'il te plaît? Le camion grue est fort. Il a sorti la voiture jaune et la rouge aussi. Oh là là, les petites voitures sont très sales. Elles ne peuvent même plus rouler. L'asphalte a durci. Le camion porte-voiture est sorti. Il va emmener les voitures à la station de lavage. Pose les voitures sur la plateforme, grue. La jaune. La rouge. Le ballon a aussi besoin d'un lavage. Regarde, c'est le rouleau compresseur. Ils l'ont déjà réparé. Il est venu pour finir la route. Son gros rouleau aplatit l'asphalte. Quel travail formidable! C'est la station de lavage. Descendez les petites voitures, c'est l'heure du lavage.
Ces rouleaux jaunes doux lavent la voiture rouge. Elle est propre maintenant. C'est ton tour, voiture jaune. Maintenant, tu es propre toi aussi. La voiture violette porte le ballon de basket. Maintenant, il est propre aussi. Allons jouer. Les véhicules d'assistance ont terminé tout leur travail. Il est temps pour eux de rentrer au garage. Merci beaucoup les voitures. Vous pouvez vous reposer jusqu'à la prochaine fois. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Voici des petites voitures grises. Elles sont sur les plateformes d'un gros camion. Je me demande bien où elles vont. Le camion les emmène vers des bassins colorés. Les voitures sont vides. Voici un garage. Les véhicules d'assistance partent du garage. Une bétonnière jaune. Que transporte-t-elle dans son tambour ? De la peinture jaune. Et il y a des voitures avec de la peinture bleue au garage. Et de la verte. Et de la rouge. Les véhicules d'assistance emmènent la peinture dans les bassins colorés. C'est parti! Vert, les voitures sur le toboggan. Elles sont en place. Le tambour se soulève. Le bassin jaune se remplit de peinture jaune. De la peinture rouge remplit le bassin rouge. De la peinture bleue dans le bleu, de la verte dans le vert. Et voilà! Et maintenant, on peut peindre les petites voitures grises. Elles descendent du camion.
Une voiture grimpe sur le toboggan jaune. Ah ! Elle a plongé dans le bassin de peinture. Elle est toute jaune. La voiture numéro 1 est sur le toboggan rouge. C'est parti! Et maintenant, elle est rouge. La voiture numéro 5 a été peinte en bleu et la 4 en vert. Nous avons peint toutes les petites voitures. Le camion peut repartir. Il est temps pour les bétonnières de revenir au garage. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. C'est un petit chien. On dirait qu'il est perdu. Le petit chien appelle à l'aide. La voiture de police sort de son garage. Elle va aider le petit chien à rentrer chez lui. Monte, petit. La voiture de police et le petit chien cherchent sa maison. Est-ce que cela ressemble à une niche? Non, c'est le garage des véhicules d'assistance. Oh, la pelleteuse est au travail. Pelleteuse, saurais-tu par hasard où se trouve la niche de ce petit chien? Allez dans cette direction, répondit la pelleteuse en pointant son godet. Et voici le camion de pompiers. Bonjour, camion de pompiers. Camion de pompiers, ce petit chien est perdu et nous cherchons sa niche. Tu ne saurais pas où elle se trouve par hasard? Par ici, dit le camion de pompiers en montrant la direction. Merci, c'est parti! La voiture de police et le petit chien sont arrivés sur le chantier de construction. Quelle magnifique peinture! Non, petit chien, arrête! Sors de la peinture!
Le petit chien est tout violet. Quel migot! Où vas-tu? Arrête! Arrête, s'il te plaît! Tu ne peux pas te comporter comme cela sur un chantier de construction. Non! Et maintenant, le petit chien est jaune. Qu'allons-nous faire de toi? Appelons le camion-citerne. Le camion-citerne transporte de l'eau propre. Le camion va asperger le petit chien d'eau pour le nettoyer. Allez, petit chien, il faut te laver. Viens te laver, s'il te plaît. La voiture de police se lave en premier. Et maintenant, c'est le tour du petit chien. Ça a fonctionné. L'eau a enlevé toute la peinture. Merci, camion-citerne. Et voici la niche du petit chien. Hourrah ! La voiture de police a aidé le petit chien à retrouver sa maison. Merci, les véhicules d'assistance. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Le camion de pompier sort du garage. Regarde son échelle. Elle est toute rouillée. Le camion doit aller à l'atelier de réparation. Est-ce que tu vois le panneau de l'atelier de réparation? C'est sur la droite. Il y a une clé à molette bleue dessus. Le camion de pompier tourne vers la droite. Et voici l'atelier de réparation. La porte s'ouvre. Entre! Le camion de pompier est venu pour un contrôle. Vérifions les roues. Elles tournent d'un côté à l'autre et en rond. Et de l'autre côté? Tout va bien aussi. Les roues fonctionnent bien. Les feux clignotants clignotent. La porte du compartiment s'ouvre. Le canon à eau est en place. Le rétroviseur est sale. Il faut le laver. Oh non! Les chaînes ne fonctionnent pas. Elles tournent à peine. Et elles ne se déploient pas. Mécanicien! Nous devons lubrifier l'échelle avec de l'huile. Le bras robotique du mécanicien prend l'huile et lubrifie l'échelle.
vérifions. Encore un peu. Un petit peu plus. Et maintenant, elle monte et descend. L'échelle se déploie correctement. Merci pour ton aide. Le camion de pompier a passé le contrôle et peut partir au travail. Qui a besoin d'aide? Appel urgent. Le camion de pompier est demandé à la fête foraine. Un chiot s'est coincé sur la grande roue. Le camion de pompier arrive aussi vite qu'il peut. Et voilà le chiot. Il ne peut pas descendre. La grande roue est cassée. Le camion de pompier déploie son échelle. Saute dessus, le chiot. Tu es en sécurité maintenant. Tu pourras refaire un tour quand ils auront réparé la grande roue. Le pick-up et la grue sortent du garage. Le pick-up a un engrenage dans sa benne. Les véhicules d'assistance vont réparer le manège de la fête foraine. C'est bon, vous êtes en position. Grue, sors le nouvel engrenage. Fixe-le au moteur. La grande roue fonctionne à nouveau. Merci les véhicules d'assistance. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant, pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Les petites voitures et le chiot jouent au ballon. Oh waouh! La voiture a fait un saut périlleux. La voiture rouge a attrapé le ballon. Qu'est-ce que c'est? Regarde, il y a une bouteille dans l'eau. Ce n'est pas une simple bouteille. Il y a une carte à l'intérieur. Tirons le bouchon et prenons la carte. Regardez, il y a une croix rouge près de cet arbre. Il doit y avoir une surprise cachée là. Allons la chercher. Voilà l'arbre. Il y a une boîte verte en haut de l'arbre. Comment allons-nous l'attraper? Le chiot ne peut pas sauter assez haut. La voiture jaune non plus. Aucune chance. Ah, voici le garage des véhicules d'assistance. La pelleteuse, le camion grue et l'élévateur à ciseaux viennent à la rescousse. Ils sont tous en route pour faire le travail. L'élévateur à ciseaux s'approche de l'arbre. Le chiot a sauté sur la plateforme rouge. Il va de plus en plus haut. Hurrah ! Maintenant, nous pouvons ouvrir la boîte verte. Je me demande ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur. Ah ! C'est une autre carte. Je me demande ce que signifient les triangles bleus.
J'ai compris. Ces triangles sont censés représenter les piles de vieilles pièces à la casse. Vous voyez le cube vert, les voitures ? C'est le prochain indice. Mais le chiot ne peut pas faire tomber le cube avec lui. Camion grue, peux-tu lui donner un coup de main, s'il te plaît ? Le camion grue sort son bras. Il prend le cube et le fait descendre. Et où est la carte avec le prochain indice ? Elle est là ! Il y a une croix à côté du rectangle orange. Allons-y et trouvons-la. Il y a un trou rectangulaire et il y a une croix à côté. Il faut creuser ici. Le chiot essaie mais il n'y arrive pas. Pelleteuse, peux-tu lui donner un coup de main, s'il te plaît ? Nous devons creuser ici. La pelleteuse peut creuser très rapidement. Elle a un très grand godet. Regarde toute la terre qu'elle peut contenir. Qu'est-ce qu'il y a là ? La surprise ? C'est un coffre au trésor. Et dans le coffre, il y a des autocollants de différentes couleurs pour les voitures. Les petites voitures ressemblent à des voitures de course maintenant. À vos marques, prêts, partez! Les véhicules d'assistance retournent au garage jusqu'à la prochaine fois. Quelqu'un d'autre aura probablement besoin de leur aide demain. Les véhicules d'assistance.